Oui, donc au niveau de l'aménagement, que pensez-vous de l'aménagement en fait de la rue Beauclin en termes de sécurité? Bah, c'est sûr que la rue Beauclin pour les vélos et même les piétons, ça peut être dangereux. J'ai une fille de 4 ans qui est en vélo aussi. C'est sûr qu'à partir du moment où on arrive sur la rue Beauclin, ça devient dangereux, c'est sûr. Après, si on regarde dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'autre point de vue, des pistes cyclables, on en a. C'est-à-dire que, mine de rien, il y en a une juste derrière là, on en a une de l'autre côté là-bas. Il n'y en a pas rue Beauclin, certes, mais si on veut aller de l'autre, si on veut traverser la Roberto en vélo, quelque part, c'est possible. D'accord. Donc, effectivement, des deux points de vue, ça risque d'être difficile. Donc, il y a la rue Beauclin, en fait, il n'y a pas de pistes cyclables, il y a la rue de la Vanzeno. Voilà. Il y a la rue Mélanie. Ouais. De Lille au niveau de Tapestry. Après, juste derrière le tram aussi, là, ça. Bien, ouais. Ouais. Et finalement, en fait, cette cyclable, les gens qui sont derrière nous, ils ne touchent pas et se déplacent. Oui, ils coupent, ouais, bien sûr. Et c'est vrai que la cyclable qui est sur la rue de la Balzona, elle fait que 300-400 mètres. Ouais. Et c'est vrai que les tronçons les plus fréquentés par les voitures et les cyclistes, c'est comme c'est tout ce que je vous ai dit juste avant, ouais. Ça représente 4000 mètres, en fait. Oui, que, je comprends. Après, oui, ça je comprends bien. Après, c'est sûr que en termes d'aménagement, qu'est-ce qui est possible? C'est-à-dire que ça sera au détriment de quoi? On rajoute des pistes cyclables, c'est pas forcément large la rue, donc ça sera au détriment peut-être des places de parking. Il y a des gens qui vivent ici, qui n'ont pas de garage, c'est leur stationnement de voiture, quoi. Est-ce que maintenant c'est eux qui vont devoir trouver quelque chose de rémunéré? Enfin, je veux dire, il y aura obligatoirement une contrepartie. C'est par le conseil de quartier et par l'agence de quartier. Mais depuis, l'essai n'a pas été transformé. Et c'est vrai que les zones bleues, ça peut être très bien aussi, au niveau, comme ça on évite les voitures ventouses. C'est ça, voilà. Et l'autre possibilité aussi, pour revenir à la situation de cyclistes, c'est de transformer en fait une colonne de stationnement de voitures et en mettant à la place une piste cyclable. Et l'autre colonne de stationnement, on la met en zone bleue, donc gratuite, avec un temps limité. Ouais. Notamment dans ces mineurs, c'est une solution. Après, évidemment, il faut concilier aussi les habitants. C'est ça. Enfin, moi, c'est mon cas aujourd'hui. Hein, je dirais, moi, je veux bien plus de sécurité pour les vélos et c'est normal. Mais mon stationnement, c'est la rue Beauclin pour moi. Après, ça me dérange pas de. Après, s'il faut payer pour qu'elle soit dehors et qu'elle s'abîme, je préfère encore payer pour un garage dans ce côté-là. Mais pareil, c'est pour ce genre de décision, les prix des garages vont flamber. Bah, tout est à voir. Si on a la possibilité de mettre même sur un parking à l'entrée de la Roberto et marcher 200 mètres, c'est pas un problème. Voilà, est-ce qu'on peut pas éventuellement pour les résidents faire des choses? Mais bien sûr, bien évidemment, un aménagement. En plus, la rue devient quand même. Il y a des commerces qui viennent. C'est quand même intéressant. Il faut que la sécurité et la circulation soient de la même rigueur que les commerces. Alors, une dernière question. Ouais. Que pensez-vous de l'investissement de la ville à la Roberto? Donc, on a notamment en fait l'école européenne. Strasbourg a investi 17 millions dans l'école européenne. L'extension du tram aussi. J'arrive, Charlotte. L'extension du tram aussi avec une hauteur assez conséquente. Et voilà, donc après, il y a aussi au milieu donc, les déplacements interquartiers. Ouais. C'est vrai qu'on est un peu pauvre à la Roberto à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous partagez aussi ce... Oui, après, moi je le trouve, pour avoir beaucoup déménagé, avoir vécu un peu à Strasbourg, et puis aussi dans d'autres villes, on est quand même bien lotis. Il faut aussi voir ça, on peut toujours avoir mieux, c'est certain. Maintenant, oui, pourquoi pas, cette école, moi je suis... qui va pouvoir en profiter? C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'avoir une belle école... Moi, j'habite à 150 mètres de cette nouvelle école. Oui. Je ne pense pas que ma fille, on sera sur les attentes. C'est dommage aussi, c'est-à-dire que moi je veux bien accueillir une belle école avec du monde et du trafic et du voilà. Mais à qui est-ce qu'on va pouvoir en profiter, nous, c'est pas dit non plus, quoi. Bah, merci à vous. Ouais.